Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, jeunes gens, bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle, et bonsoir, mademoiselle, et bonsoir, monsieur. Ravi de vous retrouver à la maison, tranquillement installé. On est ensemble pendant une petite heure. Nous allons accueillir immédiatement celle qui va passer cette petite heure avec nous, mesdames, messieurs. Voici un extrait de film. Non, je plaisante. Voici Brigitte Lay, pardonnez-moi. Brigitte Lay, là voilà. Mesdames, messieurs, un accueil très chaleureux. Brigitte Lay, la voici, là voilà. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien. On va parler de votre actualité d'ici quelques instants, quand on sera tranquillement installé. C'est un roman, un livre que vous venez d'écrire, qui sort, et dont vous allez nous parler tout à l'heure. Pour l'heure, vous allez être... Merci beaucoup. Ce sont des allumettes. C'était des allumettes, c'est vrai? Non, oui, ça n'avait pas sûr. L'air. Alors, écoutez bien. Mon premier... Elle cherche. Hein. Mon premier. Roncalli, Luciani, Montini, Vostila. Ça, c'est mon premier. Je répète, Roncalli, Luciani, Montini, Vostila, c'est mon premier. Mon deuxième Santerre quand il n'est pas aspiré. Mon deuxième Santerre quand il n'est pas aspiré. Et mon troisième, n'exite pas les Anglais. Mon troisième, n'exite pas les Anglais, j'insiste. Enning, 42, 48, 16, 16, 36, 68, 50, 50, 36, 15, côté TF1, rubrique coucou. Brigitte Lahaye, assise là-bas avec Pierre Bellemare et Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Ah ben, tout à l'heure aussi, hein. Alors, comme chaque semaine, Pierre Bellemare vient nous voir pour nous conter des histoires extraordinaires. Vous l'imaginez bien. Pierre, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne journée? Ça va bien, je suis un peu secoué pour l'instant, mais c'est normal, on va aller sur les mers. Ouh, quelle couleur ça aujourd'hui, c'est quoi? Quelle couleur? Chut, dis donc, ne vous moquez pas de Pierre. Oui. Non, vraiment. Quelle couleur ça? Je ne sais pas, rouille, si vous voulez. Rouille, oui. Disons rouille. Rouille? Oui, rouille, la rouille. Oui, la oui. Rouille du temps. Oui. Bon, bref. On va parler de trésors. Parce que vous savez que la semaine dernière, on a déjà parlé vous de trésors. Vous connaissez Brigitte? Oui, bien sûr. Je ne fais pas les présentations. Non. Allez-y. J'ai un petit peu mal à la cuisse. Vous pourrez vous occuper de ça tout à l'heure? Absolument. Mais tout le monde sait que Brigitte... Donnez-moi, vous avez un truc là, regardez. Et vous avez ce qu'il faut devant la bouche. Tout le monde sait que Brigitte est kiné. Non, pas du tout. Non, on impose... Magnétiseuse. Magnétiseuse, bien sûr. Oui. Oh, elle pose les mains. Aussi. Elle pose les... Oui. Où ça? Je vous le dirai. Patrice. Moi, j'ai mal aussi. Oui. On a tous mal. Après moi l'émission. Aussi, d'ailleurs. Bon, alors après l'émission. Oui, pareil, on revient au trésor, si vous voulez bien. Vous avez fait une chute de cheval? Oui. Ah, et vous avez mal au dos? Bah oui. Donc tout à l'heure, si on doit faire des trucs un peu physiques, Pierre vous remplacera. Il y a un âge. Alors, dites ça devant Pierre, c'est dur. Alors, Pierre. Donc, on va parler de trésors. On n'a pas dit, mais l'énigme que vous avez posée, c'est une réponse en chanson, évidemment. Mais évidemment. Évidemment. C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit. Les trésors, donc. Et nous allons parler cette fois-ci d'un trésor qui se trouve dans le Pacifique, dans des îles qui s'appellent les îles des Cocos. Enfin, l'île des Cocos, la principale, est une petite île qui mesure 4 km sur 7. Vous voyez, ce n'est pas très grand. Elle est à 800 km du Costa Rica. Magnifique. Dans le Pacifique. Magnifique pays. Oui. Je puis me permettre. Et à 1000 km des Galapagos. Oui, c'est pour la situer à peu près. Bon, vous voyez, c'est un petit point, une petite crotte de mouche perdue dans le Pacifique. C'est une crotte de mouche. Alors, c'est des rochers, c'est des cascades, c'est des grottes, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de palmiers. Des crottes de mouche. Car elle s'appelait autrefois l'île des coques à cause des cocotiers. Non, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de cocotiers et un torrent d'eau douce qui coule en cascade jusqu'à la mer. Donc c'est le paradis. Il pleut sans arrêt. Ah oui, sans arrêt. C'est l'Angleterre. Il y a une seule baie où l'on peut s'abriter avec un bateau, c'est la baie de Chatham, et c'est tout. Bon. Or, à partir du XVIe siècle, cette île va être le repère des pirates du coin. Des pipis. Des rats. De tous ceux. Des rarates. Oui, des rarates. De tous ceux qui viennent. Prendre les galions espagnols, viennent prendre les trésors des Espagnols et viennent les dérober. Et ils planquent leurs trésors dans cette île, dit-on. Qui ça? Dit-on, les pirates. Les pipis. Les pipis, les rarates. Et puis en 1841, il y a la guerre entre le Chili et le Pérou. Concarné. Et les Chiliens arrivent tout près de Lima. Et là, il y a des trésors considérables, notamment les trésors de la cathédrale de Lima. Et dans cette cathédrale, il y a une vierge en or massif,
incrusté de pierreries avec des rubis, des émeraudes, des diamants, des saphirs, il y a tout. Plus la fortune des habitants de Lima. On va déménager tout ça, on va le mettre sur un bateau et on confie tout ça à un capitaine qui s'appelle le capitaine Thompson. On confie tout ça? Oui, il s'en va avec tout ça et bien sûr, il ne prend pas du tout la direction qu'on lui avait indiquée. Il s'en va où ça? Dans l'île des Cocos. Chez les... Et il va, chez les pipis, vers Ararat, et il va... Et il va cacher à son tour son trésor. Avec les... Seulement, il se fait prendre ensuite avec son bateau. Ses marins sont pendus à des vergues. On les torture. Ses marins sont pendus à des vergues. Oui. C'est une nouvelle contrebatterie. Ses marins sont pendus à des vergues. On les, les torture. On le torture lui-même pour essayer de lui faire cracher le morceau où il a caché le trésor de Lima. Il ne le dit pas. Finalement, il s'évade. Et il rencontre un autre capitaine, le capitaine Keating, à qui il confie quasiment mourant une carte en lui disant « C'est là, dans l'île des Cocos, ici, après le troisième palmier que j'ai caché le trésor. » Et Keating va chercher toute sa vie le trésor dans l'île des Cocos, se ne le trouvera jamais. Et depuis, plus de 400 expéditions. Pierre, on vous entend. Depuis, plus de 400... Depuis, dans l'île des pipis des Rarates, plus de 400 expéditions ont été montées par des milliardaires américains, par des aventuriers, par toutes sortes de gens. Le dernier, c'est un Français, très sympathique d'ailleurs, que j'ai connu, qui s'appelait Robert Vergne, que j'ai vu, de, comme ça, quand je vous vois, bon, très bien, qui m'a raconté ses histoires. C'était tout à fait extraordinaire. Il a vécu sur cette île, il a cherché également. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a une équipe qui a trouvé quelque chose. Non, mais moi, je peux vous dire ce qu'ils ont trouvé. Quoi? Ils ont trouvé un trésor en partant des indications données par Donald Campbell. Vous vous rappelez, Donald Campbell, c'est ce monsieur qui tentait des records du monde de vitesse. Vous vous rappelez, notamment sur l'eau, qui détenait le record de vitesse. Bien, très bien. Et qui s'est tué d'ailleurs sur l'eau également, parce qu'un jour, il y a une toute petite épave qui traînait sur le lac où il faisait une tentative. Eh bien, cet homme avait, on ne sait comment, des documents concernant un trésor. Et ces types, très mystérieusement, sont partis d'Angleterre, sont arrivés sans le dire à personne. Bon, très bien. Se sont cachés dans des grottes. Attendez. Ont cherché, et un jour, sont arrivés dans une grotte qui était peuplée de chats sauvages. Ils sentaient le pipi partout. Et à l'intérieur, ils ont trouvé deux cadavres. L'un avait dans son crâne une hache plantée, l'autre dans son dos, un couteau coincé. Bon appétit, messieurs dames. Ils s'étaient entretués, mais en fouillant les bagages de ces gens, et notamment leur cantine à l'intérieur, ils ont trouvé dans chacune autant de pièces d'or. Ils s'étaient partagés un trésor de plus de 2000 pièces d'or et de barres d'or. Et ça, ils l'ont pris, ils l'ont ramené. Mais c'était où 72, ils sont repartis. Robert Vergne ne veut pas dire plus. Il dit, ça c'est vrai, ça c'est arrivé, on a trouvé. Mais il en reste encore plein à trouver. Le trésor de Lima n'a jamais été trouvé. On a fait sauter les grottes à coups de dynamite, les milliardaires américains. Au jour d'aujourd'hui. Si on vous écoute, Pierre, il y a encore trois ou quatre trésors, rien que dans l'île de Cocos, à trouver. Alors, dans le un trésor aujourd'hui, ça vaut combien? Pour qu'on se fasse une idée, un trésor comme celui-là, c'est quoi aujourd'hui? Il y a un livre américain. Il y a un livre américain qui prétend qu'il existe encore sous le sol du monde actuellement, dans les trésors répertoriés, plus de 4 milliards de dollars en trésors. Non, mais pas dans celui-là. Non, pas dans celui-là, mais en tout. Bah, dans si le monde, on peut dire que. Ça fait 1 milliard de dollars, 3. C'est pas mal. On peut y aller. Quoi. Oui, ça vaut la peine. Donc, c'est pourquoi il y a toujours des aventuriers. On va encore avoir beaucoup de téléphones pour nous demander comment on y va. Oui, alors je rappelle, la situation de Hugo, je termine là-dessus. Cela dit, c'est à 800 km de Costa Rica qui est très beau. Non, mais pardonnez-moi. Heureusement qu'il existe encore des trésors pour qu'encore il y ait des aventuriers qu'on puisse rêver. On puisse rêver, absolument. Car le jour où on dira on a trouvé 3 trésors, il n'y a plus de trésors, laissez tomber. Si vous voulez bien, je vous en parlerai d'ailleurs confidentiellement parce que j'ai des tas d'idées là-dessus. Bon, et 1000 km des Galapagos, donc le trésor de l'île des Cocos. Très bien. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, allez-y et racontez-le. Applaudissements pour Pierre Bellemare, mesdames, messieurs. L'actualité de Brigitte Lahaie, immédiatement. Comment? Une femme qui recherche un autre trésor, le film. Ah oui, c'est clair, l'héroïne. L'héroïne. Ah oui, bien sûr. Le trésor de la vie, oui. Le trésor de la vie. C'est ça, c'est ce qu'il disait. L'héroïne, Laure Mercier, est à la recherche, elle aussi, d'une son propre trésor. De son propre Graal. Du vrai trésor. Du vrai trésor. Alors, Brigitte Lahaie, Le sens de la vie, deuxième roman. L'essence. Oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le. Je me suis trompé, Le sens de la vie, pardonnez-moi, paru chez Michel Lafon. Racontez-nous qui est cette Laure, qui est-elle vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est issu de votre imagination ou est-ce que c'est quelqu'un qui existe? Non, c'est quelqu'un qui est issu de mon imagination. C'est une femme qui est issue d'un milieu modeste, qui vit à la campagne et qui un jour a la chance de rencontrer un homme dont elle est follement amoureuse, qui est riche et qui l'emmène dans un autre monde.
Et puis, oui, enfin, c'est vraiment une belle histoire d'amour. C'est après charme. Voilà. Mais malheureusement, ça se termine un peu mal. Et elle se retrouve dans ce milieu, veuve, riche, et pas très bien acceptée dans ce monde. Donc elle se perd dans des tas d'aventures qui sont de plus en plus sordides. C'est-à-dire qu'elle va essayer de réaliser ses fantasmes. Oui, aussi. Mais c'est aussi une façon de fuir cette douleur intérieure qui continue à la poursuivre, parce qu'en fait, elle a vraiment perdu l'homme qu'elle aimait. Elle est incomprise, elle se sent... Bon. Et puis, de plus en plus, elle se sent de moins en moins bien, jusqu'à un jour où elle part, elle fuit en Égypte. Et là, la nuit, elle a tombé du jour, elle fait une chute de cheval et elle se retrouve la nuit dans le désert. Car quand même si c'est tout ça de l'imaginaire, elle fait quand même du cheval. Oui, elle aussi. Chacun sait très bien que dans un roman, on y vous met toujours un peu de cheval. Soi-même. Oui, je monte aussi à cheval. Il y a des points communs, bien sûr. Et donc, dans la nuit, en Égypte, comme ça, elle a une illumination et elle trouve tout d'un coup... un sens à sa vie. Et elle rentre, il y a toute la dernière partie du livre, un chemin un peu initiatique. Voilà. Mais il y a aussi des passages chauds. Il y a aussi des passages chauds, oui. Il y a tout ce qu'il y a dans la vie, c'est-à-dire il y a de l'amour, il y a de la souffrance, il y a de la réflexion. On a lu dans, je crois que c'est dans Le Parisien, vous disiez que les passages un peu chauds, on vous avait demandé de les rajouter. Est-ce que ça veut dire que naturellement, vous ne les auriez pas écrits ? Naturellement, j'en avais pas écrit. Puis après, on m'a dit quand même, c'est ridicule. Il fallait qu'on comprenne que Laure était vraiment amoureuse de Luc, que Luc avait vraiment Laure dans la peau. Là, dans les lignes que vous avez rajoutées, oui, on donc comprend qu'elle est vraiment amoureuse. Oui, oui. C'est-à-dire que si on ne comprend pas qu'elle est contente, en tout cas... Bon, alors donc j'ai eu raison de Mais rajouter. Non, ça c'est important. Ça veut dire que votre nature, votre vraie nature, en fait, c'est de ne pas les avoir écrites tout de suite dans le premier jet du roman. Disons que... Puisque c'est l'éditeur qui vous l'a demandé de le rajouter. C'est vrai qu'a priori, ça ne me paraissait pas important, ça ne me paraissait pas essentiel. Et puis je me suis dit qu'après tout, je n'allais pas me censurer moi-même, c'était quand même le comble. Et donc, oui, mais vous ne l'aviez pas fait. Enfin, je ne veux pas vous chercher là-dessus. Mais... Oui, je comprends très bien. Vous voyez ce que je veux dire est-ce que ça veut dire que l'éditeur pense que si Brigitte l'a écrit un livre, il faut dedans qu'il... Vous savez, je crois que le roman fait 258 pages. Il y a je ne critique pas, hein, peut-être 10 pages de... Je ne critique pas qu'il y en ait. Ce qui nous a étonné, c'est de lire dans le journal qu'on vous avait demandé de les rajouter. Oui. Alors, c'est vous, sauf les... Enfin, c'est vous, c'est vous. C'est moi aussi. Oui, oui, c'est vous. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous avez comme ça envie, par nature, de tourner le dos, si je peux dire, à ce que vous avez fait jusque-là, c'est ça? Mais je ne tourne pas le dos, j'évolue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on me demanderait de me montrer nu. Je crois que je dirais non, c'est sûr. Oh, ouais, c'est pas... Vous voulez vous demander justement, si on le demande gentiment. Oui, les gars. Allez, il y avait 40 minutes là-dessus après. Ça, c'est... Vous voulez que je m'en aille? On peut peut-être appeler quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Non. C'était pour rire. Oui, alors donc voilà. Et puis votre envie maintenant, c'est... Vous n'êtes pas trop déçu, ça va. Mais ça s'est passé dans la région parisienne, l'initiation. La découverte, ça s'est passé dans la région parisienne pour vous. Pour moi, ça s'est passé dans la région parisienne. Dans une église. Absolument. Voilà. Oui. Vous racontez ça un jour, c'est vrai. Elle a reconnu son don, en quelque sorte, de magnétiseuse, un jour, comme ça, brusquement. Donc ça veut dire que le prochain roman... peut-être que vous direz, là, cette fois-ci, non, je ne veux rien mettre d'autre que ce que j'ai écrit. Je reviendrai vous en parler. D'accord. Mais votre envie, maintenant, c'est d'écrire, hein, ça, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est clair, oui. Ça s'appelle L'essence de la vie. Non, quand je parlais, de toute façon, on dit que l'héroïne a fait une chute de cheval et vous êtes sur la couverture en train de faire du cheval, donc c'est pour tout ça qu'on... Tout se tient. Tout se tient, voilà. Tout se tient très bien. Patrice. Eh bien, on va passer peut-être une publicité. Eh bien, voilà, il y a qu'à dire, oui, non, mais parce que... Ah ben non, ben alors, quand ils veulent, hein, la publicité. La publicité, les gars. La publicité. Et voici de retour, mesdames, messieurs, sur le 102 de la Maison de la Radio avec Brigitte Lahaye, Pierre Bellemare, Patrice Carmouze, tout le monde est ici. Et même une jeune femme que nous allons, avec qui nous allons parler d'ici quelques secondes. Et nous allons, Brigitte, parler d'art. Mais avant, je voudrais simplement faire une petite annonce Minitel. Vous avez jusqu'à minuit ce soir... pour gagner des ordinateurs ainsi que des consoles de jeux avec l'application Compact Disc Vidéo, c'est ça Patrice? C'est ça, 36-15. Côté F1, rubrique coucou jusqu'à minuit ce soir. Mais on avait décrit la semaine dernière l'ensemble qui était absolument formidable pour ceux en tout cas qui sont adeptes. Vous êtes un peu, vous, non? J'aime bien. Oui, un petit peu. Patrice. Peut-être que Brigitte écrit avec un ordinateur, non? Sûrement. Oui, bien sûr. Oui. Traitement de texte. Sylvana Laurent,
que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir plusieurs fois pour parler d'art. Nous allons donc parler d'art ce soir. Oui, alors je vais vous présenter un Autrichien de 40 ans qui est sculpteur. Alors évidemment, il s'agit d'un sculpteur qui est dans la mouvance de la sculpture contemporaine. Ah ben vous, c'est plutôt contemporain. Comme c'est plutôt contemporain, je crois que les téléspectateurs ont fini par comprendre. Ils n'ont pas fini, ils ont compris tout de suite. quand on leur a montré ce que vous nous avez apporté, ils ont saisi que c'était alors très, là, très, très contemporain. Alors là, vous êtes encore plus perplexe. Bon, c'est une sculpture qui est faite avec des matériaux qui font partie de notre quotidien et de son quotidien. Alors, il travaille, par exemple, avec de la nourriture, de la poussière. Mais la nourriture, pardonnez-moi, c'est une sculpture périssable, alors? Alors, ça, c'est périssable. La poussière aussi, c'est-à-dire, il fait des élevages de poussière sur un socle. Il met un cache et ensuite, il vide l'aspirateur, son aspirateur ou le vôtre, s'il fait cette installation chez vous. Ouais. Et ensuite, bien sûr, il va falloir qu'avec votre aspirateur, vous refassiez régulièrement votre sculpture chez vous. C'est un artiste. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, il va travailler avec des vêtements. C'est-à-dire, mesdames, vous qui passez l'aspirateur à la maison, sachez que vous avez aussi forcément une âme d'artiste quelque part, c'est clair. Une mine d'or, un aspirateur. Probablement. Alors on va rejoindre Erwin Wurm. Il faudrait quand même que je dise ce qui va se passer aujourd'hui. Il va travailler avec des pulls. Et il va faire des sculptures. Sculpteur sur pulls. Avec pull, avec pull. Et les sculpteurs, au moyen de pull. C'est pas une contrepétrie. Et vous allez participer à cette sculpture, puisqu'on va... Ah, ça, c'est très éphémère. Et oui, c'est très éphémère. C'est le temps de la pause et de si vous êtes ankylosé, ça s'arrête. Tout de suite, la sculpture s'arrête. Et ça vaut cher. Alors, ça vaut... Est-ce que ça vaut? C'est surtout les photos qu'on vend, bien sûr. C'est pas la sculpture. Bon, pas de photos, si vous... Alors, une photo en galerie, elle est entre 20 et 30 000 francs selon le format. Ah, vous êtes gentil, vous rangez vos appareils photo parce qu'on est là. On va les voir. Comment gagner 20 ou 30 000 francs, on va voir ça. Allez, ils sont là, ils les sortent tous. T'as pas mis de pellicule. 20 000 balles, il a dit. 20 000 balles. Bonsoir, monsieur Erwin Brum. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Erwin Brum, s'il vous plaît. Madame Brigitte, monsieur Erwin Brum. Erwin Wurm. Difficile. Par Christophe de Chavannes. Excusez-moi, monsieur, vous parlez français, do you speak French? Could you say your name, please? Erwin Wurm. Erwin Wurm, voilà. C'est pas Erwin Wurm, bien sûr. Alors, Patrice, monsieur, madame. Non. On va commencer par vous. On va vous. On va commencer par Brigitte. D'abord par vous et ensuite vous ferez une sculpture avec Brigitte. Alors. Parce que c'est dans les deux sens. On peut sculpter et être sculpté. On est obligé de mettre de l'orange. Alors vous êtes obligé de rentrer dans le pull, oui. Mais c'est obligé de l'orange. C'est pas ma couleur préférée. Put your feet into the arms. Ah, bien sûr. Ah, c'est une jupette. Mais oui, évidemment. J'oubliais. Monsieur Von Brum est artiste autrichien, je vous le rappelle. C'est-à-dire que c'est un peu qu'on enfile à l'envers. C'est très particulier comme nouvelle mode. Okay. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très érotique. C'est très érotique, oui. Ah oui, ça. On est protégés, là. Ah oui. Ça, c'est très. Non, je déconne. Allons, voyons. La patoune, c'est tout ce qui compte là-dedans. Dis donc, baise manche. Voilà. C'est formidable. Alors, moi, Patrice et Pierre. Des autres, là. Oui, on va. Oui, bien sûr. Oui, like that. Alors, ici, voilà, on est toujours pas. Moi, je suis Bernard. Vous allez enlever ça comme un vrai pull. Comme un pull normal. Voilà. Si vous pouviez enlever votre veste, ce serait impeccable. Une seule manche. Une seule. Exactly. Le pull normal. Oui, mais est-ce que le pull est normal? Si, le pull est normal. N'ayez crainte. Une sculpture vivante. Vous vous accroupissez, s'il vous plaît. Vous devez vous accroupir. Voilà, et ensuite vous rentrez votre tête dans le mur. Je rentre la tête dans le mur. Dans le mur. Oui. Et vous mettez vos mains derrière le dos. Ah oui, ça c'est commode ça. À deux. À deux. Vous arrêtez complètement. Alors voilà, et puis vous ne bougez plus. Ah, je ne bouge plus. Ah ben c'est gay. La chaleur. C'est ça, voilà, exactement, et les mains derrière le dos. Oui. Ça marche chez vous, vous avez la peine, vous êtes assis, moi je suis accroupi. Hein. Ah ben, on ne tient pas de vous. Non. Ça va bien chez vous, oui. Non, profitez pas. Non, c'est juste un moment. C'est pas un truc où il faut avoir chaud. Hein. Ah, ben alors. Ah oui, c'est bon pour le dos. Alors... Ok. Alors, ça va être très parce qu'il a mal au dos. Parfait. Oh, mon petit poussin, je te sens bien, là. Oh, merci beaucoup, merci bien. Bon, c'est bien gentil, ça part. Bonjour. Pardon.
Bonjour. J'espère que vous avez une seconde. Ah, mais moi, j'en peux plus, là. Hein. Il faut en faire une seconde. Une seconde figure. Excusez-moi. Une seconde sculpture. Il faut vite défaire ce pull-là. Ah, faut défaire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une c'est paire Brigitte de seins. C'est Brigitte et Patrice. C'est une poitrine. C'est une poitrine de oh, femme. Oh là là, j'avais pas vu. Bon, alors maintenant. On peut arrêter se défaire. Non, il y a pour une dernière figure. Vous devez enfiler vos deux pieds dans une manche. Bien sûr. Très facile. C'était bien, hein, là. Non, c'est-à-dire... Non, excusez-moi, d'abord, dans cette manche-là... Je voulais pas m'aider. Hein? Bon, allez, voilà. Parce que là, tout seul, c'est dur. Bon, bah, seul, c'est dur. C'est la pure laine des Pyrénées, ce truc-là, c'est... Maintenant, l'autre pied dedans. Je vais tomber, madame. Madame... Deux pieds appelez-moi votre prénom. Sylvana. Madame Sylvana. Oh, this is wrong, it's the wrong direction. Ah, c'est faux, alors. Et Sylvana, il va diriger. Bah oui. Ah ouais, c'est... Elle déconne. Alors. Attendez, là, s'il vous plaît. Mais ça suffit peut-être, non, les sculptures, tout ça, non? Une dernière. On n'est pas une près. Non, c'est encore une dernière. Par le col, monsieur? Ouais. Un bon vroom? Il y a quelqu'un? Good. Il y a quelqu'un? Oh, tu l'as touché. What pose? Non, here. J'ai voulu l'enlever, il y a quelqu'un. Eh oui. Ah, j'ai eu peur. Ah, c'est plein, ce truc-là. Comme ça, okay. I cannot put it anymore. Oh, that's okay. Mm-hmm. And now go with both arms. Et maintenant, les deux mains là-dedans. Oh non. Oh, c'est gentil. Je vous ai vu en faire de pire. Hein. Bah oui, non, mais... Good. Voilà, c'est très too. Bien. Je vais tomber. Yeah. Mais non, on va vous rattraper. And the head too, sir. J'ai trouvé quelqu'un. Très bien, c'est okay. Parfait. Good. Ça, voilà. C'est une superbe sculpture. Ah, ça, c'est très, très bon. C'est ridicule. Alors, il y a une jeune fille. Ah oui, il y a quelqu'un, c'est une fille. Mais... Ah oui, j'ai trouvé quelqu'un. Sous ouais. Le pull. Applaudissements pour cette jeune fille, donc évidemment. Un modèle. Oui, un modèle. Un modèle. Ok. Ok. Voilà. Alors, attends, on n'a pas dit quand même ce qu'on vient de faire. Patrice et Pierre Belmar, par exemple, enfermé dans son petit pull. C'est un truc qui peut valoir dans les combien? En photo, entre 20 et 30 000 francs. Et en vrai, dans son salon? Oui. Ah ben si, il a le courage de rester jusqu'à la fin des temps comme ça, c'est inestimable. Oui, c'est oh, ben, ça, c'est formidable. Mais il y a un gars qui se fait du pognon en ce moment parce qu'il photographie comme un fou. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Je vous imagine dans un salon comme ça. Oui. Patrice. On continue un peu merci, sur là. Merci, monsieur le Vaudan. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment merci, formidable. Ça, chapeau, quoi. On a le temps. Patrice. Est-ce qu'on a le temps de passer un petit reportage sur... On continue dans là ? Oui, on a le temps, sûrement, alors, si on ne fait pas des signes désespérés. Alors, il y a une exposition. Regardez bien, Brigitte. Qui est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris actuellement, qui s'appelle L'hiver de l'amour. Et Cyril Daspé est allé filmer. Regardez, c'est assez étonnant quand même. Ah, c'est très moderne également. Regardez. C'est moderne. Moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la réveiller? On dirait une vraie, en plus. Non, je ne vais pas toucher. Vous pourriez pas l'enlever, ça me gêne. Pourquoi? Elle est atroce. Ça doit être insupportable pour ces gens de rester des heures comme ça dans des positions incroyables. Qu'est-ce que ça représente, ça, pour vous? L'espace, le transparent, qui constitue une matière, qui est là et qui n'est pas là en même temps. Les possibilités, la solidité sur le bois qui est d'une matière vivante, la pierre qui est morte, le mort, la vie, l'espoir. Je vous vois regarder ça, ça vous évoque quoi? La porcherie dans une ferme dans la campagne française profonde. Ça vous amuse, ça? Non. C'est un bar ou c'est des toilettes? C'est pour boire votre urine. Pour boire mon urine? Ah oui. Vous prenez un verre, vous remplissez de jus, enfin de sirop plus exactement, voilà. Et alors, au lieu d'uriner dans l'urinoir, vous urinez dans le verre. Vous séchez, un peu comme ça. Voilà. Et ensuite, vous buvez.
crois que ça... J'ai toute une éducation à refaire, moi, sur ce genre de choses. Là, c'est... je suis trop classique, moi. Heureusement, pour ce sujet sur l'art moderne, c'est, moderne. C'est très, très particulier. C'est un japonais qui propose la thérapie par l'urine, thérapie artistique par l'urine. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de démarche c'est de l'art, ce sont des artistes. Bien, rien ne se perd, quoi. Oui, non, non, c'est sûr. Tout se crée. Tout se crée. Alors, je ne sais pas si vous avez eu Elle cette semaine, il paraît qu'on revient, et les hippies reviennent. Vous avez lu ça? Les pattes d'Ève, ça ne va pas tarder, et tout ça, hein, il paraît. Eh oui. Eh bien, on va accueillir Muriel. Ben évidemment. Hein, mesdames, messieurs, Muriel Cousin, ouais, c'est parti. Allez-y, Patrice, allez-y, 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 allez-y. Venez, Brigitte. Oui. Alors, de quoi s'agit-il, Muriel? Ah, c'est cool d'être venu. Ouais, c'est cool. Ouais, d'être venu dans la communauté. Ouais, c'est hyper cool. Hein. Bah, installez-vous, on est bien, là. On va délirer bien. J'avais feu soir, Bah voilà, il paraît qu'il y a les hippies, le mouvement hippie qui revient. C'est ça que Brigitte a bien connu, vous avez bien connu la période quand vous travaillez... Peace and love. Oui, bien sûr. Exactement. Non, c'est vrai, non? Bah oui, oui, oui. Exactement, bah voilà, le mouvement hippie. Alors on va vous mettre, je vais vous mettre un peu dans l'ambiance quand même. Allez, Pierre. Alors il faut avoir les cheveux, les hippies avaient les cheveux longs, ils avaient une barbe christique aussi, mais enfin là, oh là, là. Voilà. Ah ouais! Oh, elle a l'air super cool, la ZES! Ah, pas mal avec le bandeau! Ouais! Cool! J'espère que c'est hyper cool aussi pour vous, chez vous, en ce moment! Super! Voilà, Pierre, très bien! Muriel, allons-y! On va se débrouiller, Alors, ce qui est... Oh, voilà, la casquette. La casquette rouge qui est sous le... Elle est là. Voilà. Alors, vas-y, Muriel. Donc voilà, c'était... Je ne te connais pas, t'es nouvelle dans la communauté. Ouais, je suis nouvelle dans la communauté. Oh, t'es hyper cool. Ouais. C'est super cool. Je sens qu'on va bien délirer. Ah, toi, tu nous fais bien chier. Alors, le mouvement... Avec ta guitare. C'est une maison bleue. Ah non, c'est joli, ça. Le mouvement hippie, il a commencé au milieu des années 60. Au milieu des années 60, c'était la suite des beatniks, c'est-à-dire une opposition à un rejet de la société de consommation. Tiens, Pierre. Un rejet de l'abondance. Elle est bonne. Et donc, voilà, il fallait... Donc, ça prenait l'amour libre. Alors, on se partageait tout. C'était l'amour libre. On se retrouvait, on s'échangeait. Il n'y avait plus de tabou. Ah. Non, personne n'appartenait à personne. C'était très peace aussi, anti-militariste, anti-guerre, anti-armée. Pour le fromage de chèvre. Pour le fromage de chèvre en Ardèche. Anti-guerre. Ah, j'ai compris, anti-guerre. Non, anti-guerre, anti-guerre. Ah, voilà. C'était aussi un retour vers les aliments naturels. Est-ce que vous avez été à cette période-là un peu bab, Pierre? Non, pas du tout. Vous n'avez pas eu le côté Ravi Shankar? J'étais dans la Légion en Indochine à ce moment-là. Ah oui, non, t'as raison. Vous n'étiez pas vraiment bab, non? Non, pas du tout. Non, ça c'est sûr. Non. C'était aussi comme Timori Ileri, le fameux professeur d'Harvard, l'avait montré. On a découvert aussi la drogue, les drogues douces, la marijuana. On fumait donc, donne-moi une cigarette de Marie-Jeanne. Allez-y. Non, c'est bon, merci. Ah, des fleurs, pisse. Ça c'est du riz. On mange des aliments naturels aussi. Hein. On mange du riz complet, etc. Alors, est-ce que les hippies, le problème, est-ce que maintenant... Qu'est-ce qui a changé dans la société aujourd'hui par rapport, par exemple? Alors, c'est vrai que dans la mode, il y a une véritable... On peut retrouver la mode un peu hippie. C'est vrai qu'on retrouve... Par exemple, ça, c'est quelque chose de cette année. Ça peut ressembler, c'est les tuniques un peu indiennes. Il y a des inspirations mauraises, des inspirations orientales. Donc, on retrouve dans la mode. On retrouve aussi dans les spectacles. Par exemple, cet été à New York... au mois d'août, ils sont en train d'organiser Woodstock numéro 2. Ah ouais. Août 69, c'était Woodstock. Là, ils sont en train d'organiser cet été, août 94, Woodstock numéro 2. Donc voilà. Ah ouais. La reprise de R. La reprise de R aussi en décembre l'année dernière dans un grand théâtre de Londres. Ah oui. Pareil, exactement. Bon. D'autre part, c'est un truc de comportement aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les filles maintenant, pour avoir l'air... Pour avoir l'air... Venez. Ça aussi, c'est bien. Ça, vous en avez eu des gilets comme ça, Brigitte, forcément. Brigitte, vous en voulez un?
Non, est-ce que, non mais c'est vrai qu'il y a une grande, période de cinéma. Voilà. Il y a aussi, c'est aussi un comportement. Attendez, pardon. Excusez-moi. Qui était très baba cool, où il y avait des costumes et des musiques. Je suis venue après, moi, en fait. Ah ouais? Ouais. Vous êtes venue après? Moi, j'ai commencé en 76, donc c'était bien, c'était bien après. C'est vrai que ça s'est quand même estompé. Je suis désolée, oui. Non, c'est vrai, vous avez raison. Pierre a connu, donc. Yeah. Alors, pas en 66, attends, 76, c'est très différent. Muriel. Alors, c'est vrai que c'est un comportement aussi. Je sais pas si vous avez marqué, les photos de mode, les filles, elles se tiennent, elles ont toujours un côté un peu. Il faut être un peu comme ça, quoi. Un peu le regard, cool. Un peu stone, un peu comme ça. On est. Voilà, vous avez remarqué sur les photos, on est toujours un peu. La façon de marcher aussi, il faut être un peu nonchalante, un peu. Voilà, on va marcher un peu de façon nonchalante, comme ça. Ah ouais, c'est nonchalant. On n'est pas super excité, quoi. C'est... Non, on n'est pas bourré de vitamines. Non, on n'est pas bourré de vitamines. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance qu'on retrouve donc dans la mode. Mais en fait, je crois quand même que le hippie, le mouvement hippie, c'était d'abord un état d'esprit. C'était la communauté, c'était partagé, c'était la générosité. Et aujourd'hui, vous croyez que ça peut revenir? Et aujourd'hui, si ça revient, en tout cas, ça peut être dans la forme, c'est-à-dire dans la mode, etc. Mais je pense que dans l'état d'esprit, ça ne peut pas être la même chose. Je veux dire, maintenant, si ceux qui sont... ceux qui vivent en communauté ou ceux qui sont ils sont en fait marginaux. C'est pas un choix de vie, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Vous pensez que la société patrice aujourd'hui pourrait redevenir avec cet esprit solidaire, communautaire, donne-moi la main, prends la mienne? Solidaire, c'est autre chose. Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Solidaire, sans doute. Mais bon, voilà, c'est ce que je pense que les, donc, c'est plus une mode, le retour c'est plus un des filles, voilà. C'est plus un business de la nostalgie, c'est-à-dire. Ça fait croire quand même que c'est vraiment en train de revenir. Vraiment, bah, c'est vrai que les années 80 paraissent comme un long hiver, comme ça, et on aura envie d'un printemps, comme on imagine les gens en 68 et après l'ont connu, départ à Katmandou, etc. Et on se dit que c'est vrai que là, on en a un peu marre et qu'on aimerait avoir un peu un printemps, revivre ce qu'ils ont vécu en 68, le mouvement hippie, Il n'y avait qu'une toute petite différence, c'est qu'en 68, c'était le plein emploi. C'est ça. La grande différence, elle est là. Et ce sera la conclusion. Merci, voilà. Pierre. Merci, Muriel Cousin. Merci beaucoup. Nous enchaînons immédiatement, Patrice. Nous enchaînons avec des petits animaux. Des petits animaux formidables. Vous allez chercher. Allons-y, Patrice. Allons-y. Vous voulez faire il ce petit cadeau à... 2 minutes 30. Voilà, ouais, mais il n'a pas pour extrêmement longtemps. Alors, mais regardez. On va essayer de ne pas faire trop de bruit pour ne pas les énerver. C'est des tout petits cochons. Ce sont des petits cochons. Sans crier. Non, on ne s'énerve pas. Non. On s'énerve des pas. Tout petits ou cochons. Des petites cochonnes, d'ailleurs. Il y a les deux. Il y a des garçons. Des petits cochons et des petites cochonnes. Alors, ce sont des animaux miniatures. Hein. Voilà, c'est des enfants d'animaux miniatures. On a même les parents qui sont un petit peu plus loin. Où sont-ils, les parents? Oh, les parents sont en coulisses. Ils appartiennent à Monsieur Reich, qui est de la mini-ferme, et ils seront du 12 au 20 mars, je vais le dire tout de suite, à Morangis, place de l'Europe, tous les jours de 14 à 19 heures, parce qu'on va les exposer un petit peu. On peut les toucher ? On peut les prendre dans les bras. Oh, tu peux. Il faut les prendre très près de soi. Viens, mon titi, viens. Ils sont tout mignons, c'est la même portée. Ah, mais ça crie un cochon quand on prend. Ça crie un tout petit peu. Regardez ça. Prenez-en un. Mon titi. Il y a un petit noir, par exemple. Allez. Comment tu vas? Bonjour. Tu vas bien? Ils sont croisés. Voilà. Ils sont croisés vietnamiens et périgourdins. Ça, si c'est pas mignon. C'est mignon, non? Si c'est pas. Et ça, quel âge, là? Faites passer à Pierre Belmar, faites passer à Pierre qui prenne un petit cochon aussi. Prenez Pierre. Oh, ils sont tout propres, Pierre. Je suis amateur. Je suis pas amateur. Ah, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Bah alors, je vous les mets par terre. Oui, je sais pas. Voilà. Ça, ils viennent de... Ils sont tout petits. Doucement, tout petits. Doucement. Là. Non, ils sont vraiment... Vous voulez prendre près de soi, comme ça, ils seront plus rassurés. Ah oui, là, surtout comme ça, oui. Il est vraiment rassuré. Oui, je le tiens, là. Bah oui, mais mal. Regardez. Ah, il y en a un qui a sauté. Voilà, il est là. Bien joué. Hey, alors, regardez. On sent quand même quelqu'un qui a l'habitude avec les animaux. Regardez. Une petite béquée, il n'y en a pas un autre qui vient de sauter là. Non, mais on va les mettre par terre peut-être. Ils sont chauds. Attention, parce qu'il y en a plein, ils vont sauter. Mettez-les par terre. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Quel âge ils ont? Bonne question. Ils ont à peine un mois. Ils sont tout petits. Tu les rendras à leur mère. Il y a plus de 200. Mais ils sont. Ah, ça y est, ils sont partis par terre. Attends, je vais l'attraper. Attention, il y en a un par terre.
C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, non, on va l'attraper. Merci beaucoup. Non, merci. C'est pas grave. Alors, ce sont pas des cochons nains, ce sont des cochons miniatures. C'est-à-dire tout que c'est la race elle-même. Il a faim. Ah, il a pas faim. Voilà. Il va retourner chez sa mère. On va leur donner aux parents qui attendent là-bas, qui sont tout mignons. Comment? Quoi? Et monsieur Reich qui possède ses cochons. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Non. T'as pas l'air content? Non, t'as pas l'air content du tout. Hop. Bon, ça suffit les cochons. On va les remettre dans leur cageot. On envoie la pub, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on se retrouve immédiatement. Merci beaucoup. On envoie la pub. Mesdames, messieurs, nous voici au sommet de la maison de la radio pour cette dernière partie de Coucou c'est nous de ce soir avec Pierre, avec Patrice et avec Brigitte. Là, évidemment, l'énigme immédiatement. Patrice, voulez-vous avoir la gentillesse de la répéter, s'il vous plaît? Alors, mot premier, Roncalli, Luciani, Montini, Voltila ou Voltiwa. Mon deuxième, sans terre quand il n'est pas aspiré. Mon troisième, n'exite pas les Anglais. Voilà. Et mon tout est une réponse en chanson, bien évidemment. Première proposition, vous avez une idée, Brigitte Lahaye? Pas du tout. Pierre? Non. Première proposition, merci beaucoup. Pierre, merci. Première proposition, allons-y. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme, votre prénom? Cyril. Cyril, d'où nous appelez-vous? Cyril. De Vannes, dans le Morbihan. De Vannes, dans le Morbihan. Vous avez une proposition? Oui, j'ai pensé les gars de Liverpool. Les gars de Liverpool. Mon premier, Roncalli, Luciani, Montino, Voshtila. Les gars de Lee. Les gars de Lee, bien sûr. Mon deuxième, sans terre quand il n'est pas aspiré? Le vert. Bien sûr. Et mon troisième, n'exite pas les Anglais. Poule. Bien sûr. Oui, ma poule. Mon troisième, poule. N'exite pas les Anglais. Poule. 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 Ça n'exite pas les Anglais. Oui, ça poule. Poule. Où avez-vous trouvé cette réponse, s'il vous plaît? Nulle part. Dans sa tête. Mais elle est fausse, je suis absolument désolé. Ça n'est pas du tout cela. C'est comment les gars de Liverpool, cela dit? C'est comment les gars de Liverpool, jeune homme? Je ne sais pas du tout, je connais simplement le titre. Ah. Ouais, ça c'est extraordinaire, mais alors je suis désolé, vous êtes très très loin. D'accord. Au revoir, jeune homme. Au revoir. Nous allons prendre une autre proposition. Bonsoir, s'il vous plaît. Allô? Oui, madame. Allô? Oui, madame. Marisot. Voilà. Bonsoir, Marisot. D'où nous appelez-vous? De Beurre-et-Fragondrand. De Beurre-et-Fragondrand. Marisot de Beurre-et-Fragondrand, qui se trouve dans le... En Savoie. En Savoie, oui. Tout à fait. Vous êtes une montagnarde. Voilà. Ah, très haut sur la montagne? Très haut. Les montagnards sont là. C'est comment c'est les montagnards sont là? Les montagnards sont là. Ça dépote. Alors, madame, nous vous écoutons, votre prénom, Marie-Jo. C'est Marie-Jo, hein? Oui. Marie-Jo, je pense. Marie-Jo, allez-y, proposition. Les papes. Excusez-moi? Les papes, pour mon premier. Parce que mon premier, Roncalli, Luciani, Montini, Voshtila. Ce sont des papes. Oui. Mon après, deuxième sans terre. Mon le deuxième... ou la hache. Bien, mon deuxième sans terre, quand il n'est pas aspiré, le ou oui. La hache. Oui. Mon troisième, n'exite pas les Anglais. Je ne sais pas trop, hein. Papayé. Pardon? C'est quoi sa réponse? Oui, votre titre, c'est quoi, madame? Papayé. Oui. Papayé. Papayé, oh, papayé, ah, oh, papayé, bonheur, papayé, wana. Papayé, oh, papayé, wana. Papayé, oh, papayé, wana. Papayé pas tout à fait, hein? Ça papayé pas du tout, mais. Désolé, madame. Au revoir. Merci d'avoir participé. Une troisième proposition, s'il vous plaît. Allô? À l'huile. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est Christian. Bonsoir, Christian. C'est Christophe. Christian de Paris, 17e. Christophe de Paris, 16e pour l'instant. On vous écoute, jeune homme. Alors, ma solution, c'est papa chanteur. Papa chanteur. Parce que mon premier, Roncalli, Luciani, Montini, Voshtila. Ce sont des papes. Mon deuxième, sans terre, quand il n'est pas aspiré. La hache. Ou le hache. Le hache, oui. Aspiré. Mon troisième, n'exite pas les Anglais. Eh bien, c'est l'inverse de to exit, c'est to enter. Joli coup, mais qui demande, qui demande vérification, mesdames, messieurs, Charlie et Lulu. Tu t'invites chez moi, sans en être prié, mais tout au fond de moi, c'est toi que j'attendais. On se sert un peu plus, tu prends tellement de place. Et depuis ta venue, je me regarde en face.
faire mon premier geste, faire mon premier pas. Et l'enfant que je vois m'a pris tout l'amour qu'il me reste. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas. Charlie Lele, mesdames, messieurs. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît, personne que nous avions au téléphone. Merci beaucoup, les gars. C'est Christian. 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 Vous aviez donc raison, Christian. Vous Merci. Avez donc gagné, mais qu'avez-vous gagné, Christian? Patrice. Alors, un séjour d'une semaine pour deux personnes. Attends, on va peut-être le faire dire. On va peut-être. Oh, non, oui. J'ai pas ça. À moi. Non. Il a gagné ça, Christian. C'est Brigitte, pas ça. C'est pour vous, la caméra numéro 3 qui est face Alors, à vous ici. Nous vous offrons un ensemble de bagages ligne Monte Carlo signé Gilles Bagages. Merci. Composé de sacs de voyage, valise, vanity, case. Alors... Allez, Brigitte, du rythme, un peu de rythme, Brigitte. Toc, 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 toc. Mais non, mais attends. Pour promener vos valises, nous vous offrons... Ah oui, d'accord, c'est de l'humour. Pour promener vos valises, nous vous offrons un séjour d'une semaine pour deux personnes en principauté d'Andorre. Vous découvrirez le domaine skiable Orbino Arcalis. Vous pratiquerez dans un cadre authentique ski de boss, surf, télémarque, ah. ainsi que déposé en héliski, accompagné d'un guide, ah. d'une guide au choix. Ah, ouais, ouais. Ah. Ah, vous savez faire du ski, monsieur? Non, je ne fais pas du tout de ski. Ah. Et bon, j'ai des petits problèmes quand le froid arrive. Ah. Alors... Alors, écoutez... Ah. Oui, là, là pas... cela dit, il va faire de plus en plus beau et de plus en plus chaud, oui. là. Hein. Oui, mais là-haut, non. C'est ça le problème. Jamais, non, là. Si. Vrai, avez... le bord de mer est beaucoup plus on chaud. On peut peut-être lui offrir les pulls de tout à l'heure aussi pour... Non, vous avez un vrai problème, vous voulez dire, un vrai problème personnel Un vrai problème, disons... De santé. Voilà. Vis-à-vis du froid. Ok, alors on va vous envoyer au chaud, je vous promets, on va se débrouiller. Voilà, mais je peux pas vous le dire tout de suite parce qu'il faut qu'on se débrouille. Ça dit, ça, c'est un vrai bon voyage quand même. Puis, Alors celui-là va être gagné par les candidats de demain, par voilà. exemple. Non, oui, ou de... On verra. On va essayer de voilà. s'arranger. Parce que ça, c'est très chouette. Hein. Ça, c'est super. Ça, c'est dans les Pyrénées, c'est fabuleux. On va peut-être y aller, nous. D'abord, la principauté de l'Andorre. Vous connaissez, Brigitte? Non. Vous avez quelques jours de libre? Pour aller en principauté... Oui, pourquoi pas. Ah oui, mais moi, je suis coincé. Alors, ouais, moi, je suis coincé. Peut-être Pierre. Ça va être non, mais demain, après peux choisir qui oui, je veux. On va se débrouiller. On va se débrouiller. C'est un endroit merveilleux. Monsieur, vous ne bougez pas, vous avez gagné, vous bougez. Enfin, on va vous prendre en ligne votre numéro, etc. Merci. etc. Et vous irez au soleil, je ne sais pas, moi... en Normandie ou un truc comme ça. Oui, voilà. Valenciennes. On vous fait nos amitiés en tout cas. Bah, je vous remercie beaucoup et puis je trouve que votre émission est super. J'espère que ça va durer encore longtemps, au moins aussi longtemps que. Vous êtes gentil, monsieur. Que Ciel Montmardi. Vous êtes gentil, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patrice. Alors, il y a actuellement une exposition qui a lieu à Paris, qui aura lieu du 24 au 27 mars au rond-point des Champs-Élysées. Et ça s'appelle l'exposition Jardin privé. Mm-hmm. Et je vous propose qu'on rejoigne monsieur Hillon. Si vous voulez poser aux questions des invités, si vous voulez poser des questions, oui. je vous interromps juste deux secondes parce qu'il faut aussi qu'on vous le dise. Si vous désirez poser des questions aux invités, vous faites le 42 48 16 16 ou le 36 68 50 50, je vous le dis, ou le Minitel, etc. Comme ça, chaque jour, vous pouvez des questions aux invités qui viennent nous voir. Il y a Carole Laure, donc voici la liste. Fiona Gélin, Smaïn, Patrice Lecomte, Jean-Marie Bigard, Marouchka Detmers et Catherine Lara qui viendront prochainement. Voilà, donc vous pouvez téléphoner en disant je voudrais poser telle question à telle personne et ce jour-là, nous vous contacterons et nous vous aurons bien évidemment en ligne. Patrice. Alors, on va rejoindre Gérard Hillon qui est fleuriste et qui est décorateur à Paris. Et ça, évidemment, on va s'occuper de la haie tout de suite. Oui. Ah oui. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui. C'est logique, ça. Évidemment. C'est logique. On n'allait pas se priver de faire ça. Donc on va tailler la haie. On va tailler la haie. C'est clair. Oui. On va bien s'occuper de la haie. Oui. Hein. Avec monsieur Hillon qui est spécialiste. Et elle risque de repartir différente. Ah oui. Hein. On va pas faire une taille claire, on va faire une taille sombre. On va faire une taille sombre dans la haie. Oui, c'est-à-dire à peine. Ah oui, bien sûr. Mais monsieur avec Hillon beaucoup de minutie. Mesdames, messieurs, déplacement, nous y bientôt en feuille. Allons-y, c'est parti. Monsieur Hillon taille la haie. Monsieur Hillon taille la haie. Alors, monsieur Hillon. Monsieur Hillon est le fleuriste, les jardiniers, les décorateurs. Il va s'occuper de cette exposition dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est du 24 au 27 mars. Voilà, et il offre. Commencer un joli bouquet. Merci beaucoup. Vous êtes Gérard Hillon, n'est-ce pas? Un petit bisou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Gérard Hillon. Enchanté, Christophe Chavannes. Alors. Doucement, Pierre, vous me faites. Déjà les ciseaux. Je préfère que ce soit Pierre que Patrice. Hein. Alors, comment on taille la haie? Alors, les haies se taillent avec
des ustensiles qui sont mécaniques ou électriques. Et en l'occurrence aujourd'hui, mécanique. Ce sera quelque chose de mécanique, qui s'appelle une cisaille. À quelle période faut-il ? Période, deux périodes en général dans l'année, le printemps, l'automne. Au choix. Avril, voilà. Mais... avril, mai et septembre, octobre. Très bien. Alors, vous allez nous montrer. Ici, là, on voit une haie qui a poussé. Alors, là, pendant six mois, il n'y avait personne. Oui, hein. Voilà. Ils ne sont pas allés passer des week-ends depuis six mois. Voilà, voilà. Absolument. Voilà. Et donc, en fonction du type de haie, vous avez des résultats différents. Ici, vous aurez une haie assez droite, vous voyez. Et avec ces arbustes que vous avez devant, vous pouvez également faire des haies beaucoup plus harmonieuses et accidentées, avec des créneaux. À la avec française. À la française. Voilà. Voulez-vous que je coupe, monsieur? Bah écoutez, taillons. Voilà. Sachant le côté, là. On n'aurait pas une tronçonneuse pour Patrice? Mais attendez, on va en donner une aussi à Christophe, qui sera ravi. À Patrice et à Brigitte, qui a la main verte, très certainement. Brigitte. Habitant la campagne, je le pose, vous le récupérez. Voilà. Et Brigitte également. Alors, on taille surtout toutes les pousses de l'année, c'est-à-dire alors, tout ça. Alors, on le prend à quel niveau, voilà. Monsieur? On le prend à quel niveau? Ici, je ne pense pas. Ça se taille pas comme ça? Non, je ne crois pas. Celui-là est très, très joli. Il est un peu. Voilà, vous taillez toutes les pousses. Il est très joli. Toutes les pousses de l'année, comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai que ça lui fait mal? Pas du tout. Ah bon. Il n'y a pas de système nerveux. Sauf s'il met le doigt. Ah bon. Par contre, si je commence à vous couper dedans, je pense que vous aurez mal. Bien voilà. Sûr. Donc là, on la taille. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça voilà. Fait que... Et donc, vous, vous redonnez une forme. Elle est moins haute, mais elle s'étoffe du bas. Tout à fait. Et vous redonnez une forme à quelque chose qui a effectivement poussé pendant l'hiver ou pendant l'été. Ça, c'est une haie de jardin. Ce n'est pas une haie rustique de tout campagne. À fait. Hein. Tout à fait. Mais c'est le même principe. Alors, effectivement, dans les jardins à Paris, vous avez des haies très, très basses. Donc, il faut soigner régulièrement. On ne va pas tailler là-dedans. Ils sont très jolis, ceux-ci. Non, ceux-là n'ont pas besoin d'être taillés. Effectivement, vous faites le même. Et ça, c'est fait exprès qu'il y ait un petit peu comme ça? Absolument. Très joli. Ça, c'est obtenu avec les branches maîtresses que l'on garde au colon. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, du dedans? Hop là! La 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 la! Taillons la 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 la! Taillons la 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 la! Taillons la 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 la! Alors, voyons, on va regarder Brigitte tailler la haie. La haie qui se taille donc elle-même. C'est une auto. Une auto. Destruction. Une autodestruction. Bon, très bien. Ensuite, de quoi test nous faisons quoi? Voilà. Donc, on a bien retenu, on fait ça en printemps, au printemps ou en automne. Voilà. C'est le principal. Il faut combien de temps pour faire pousser une haie comme ça? À cause des mouches. Ça très vite. En 3-4 ans, vous avez quelque chose qui a déjà un certain volume. En revanche, les buis sont des plantes qui se développent beaucoup plus lentement. Ceux-ci sont des buis? Oui. Bonjour. Et les buis également, vous pouvez leur. Donner des formes beaucoup plus harmonieuses grâce à leur petit. Vous voulez pas nous faire rapidement une petite forme? Oui. On ne peut pas faire sur des plantes comme ça. Sur le buis. On va tailler le buis. Mais le buis est déjà taillé, voyez. Mais il va nous faire une petite forme quelque part. On va tailler un peu de buis quand même là. S'il vous plaît, monsieur. En fait, vous conservez toutes les formes. Oh, il fait ça mais brutalement. Ici, hein. C'est déjà conservé, voyez. Oh, c'est brutal. Vous savez le faire vraiment ou pas? Bien sûr. Ah, question piège. Bien sûr. Et vous redonnez en fait chaque année les formes. Et là, vous pouvez finir par faire un petit coq ou un animal. Oui, des animaux. Oui. Ou il y avait comme ça une beaucoup maison d'animaux un avec parc les en Normandie. Oh, ça y est, vous avez fait mal. Il y avait un parc en Normandie où le monsieur avait taillé comme ça tous ses buis, donnant des animaux, des éléphants, des girafes. Et puis un jour, il a disparu. Et le parc a disparu avec lui. Ah, c'est pas vrai. Parce que plus personne ne pouvait tailler. Et donc, c'est devenu. Voilà. Mais maintenant, il suffirait d'aller éventuellement... Ah oui, il faut tout recommencer. Et donc, ce n'est pas mauvais pour la plante ou là. Bien au contraire. Parce que vous étoffez la base. Très bien, très bien. Mais écoutez, monsieur le tailleur de haie, merci beaucoup. Vous en prie. Merci beaucoup. Et merci. Merci beaucoup. Applaudissements pour ce monsieur, parce que vraiment, c'est magnifique. Ok. Et nous allons enchaîner, Patrice. Exposition du 24 au 27 mars. Ah, du 24 au 27 mars, bien évidemment. Nous enchaînons, Patrice, très rapidement, car le générique est en train de défiler. Il nous reste 50 secondes. La fin de l'émission, on va rappeler le titre du livre de... Ah ben, c'est l'essence de la vie chez Michel Lafon. Michel Lafon. Un titre signé, donc, Brigitte Lahaye. Nous allons rappeler également que Pierre Bellemare va bien. On qu'il est là régulièrement. On n'a pas eu le temps de prendre des questions téléspectateurs. Je crois qu'il y en avait, on avait eu sur Minitel. Il y en avait une qui disait, est-ce que les hommes sont plutôt intimidés par vous, par votre passé, ou est-ce qu'ils sont plutôt séduits? Ils sont intimidés, oui. Plutôt intimidés en général maintenant, oui. C'est-à-dire que je fais peur aux hommes. Est-ce que ça vous embête, ça? Non, pas vraiment. Non, 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 non. Bon. Non, non, non. Bon, très bien. Je suis capable d'aller au front quand il faut. Bien sûr. Bien sûr. Ah, un petit peu de poésie. Un petit peu de poésie ne fait jamais de mal. Merci Brigitte Lahaye. Merci beaucoup. Au revoir Pierre Bellemare. Au revoir, quand vous voulez, vous revenez. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Merci camarades présentement. Passez une bonne soirée. Soyez évidemment très prudents. Et surtout, sortez couverts. N'oubliez pas, demain...
Demain, Adeline Hallyday. Demain, Adeline Hallyday. Oh là là, bonsoir.